Salut, ceci est un flash express. Ça y est, il est sorti. Quoi? Qui? Un document incroyable. Il fallait que je vous en parle. Je m'étais couché, j'écoutais cette vidéo d'un œil nostalgique, nonchalant pour le moins, et je me suis dit non, non, si jamais je me faisais abduquer. Ce soir, de manière définitive, un coup de Men in Red, par exemple, c'est jamais, vous savez, par nos jours, ouf, et que ce document ne parvienne pas à votre connaissance assez rapidement, parce que ce qui est important, c'est que ce soit assez rapide aujourd'hui, vous savez. Non, je ne doute pas qu'il va vous parvenir quand même. Mais là, bon, je me suis dit, on ne sait jamais. Hein. Les documents... Je connais depuis... Enfin, on en parle. Je ne connais pas, puisque celui-là vient de sortir. On en parle depuis des années, donc. Mais en général, on manque de preuves. Mais là, a priori, tous les gens qui sont cités sont indébunkables. Ils font tous partie des services, donc en fait, ils existent tous, quoi, hein, ce qui est sûr. Et bon, même si c'est des services où, en général, on ment comme on respire, vis-à-vis du public, ou au public, plutôt, vis-à-vis des affaires dont on traite, là, il s'avère que, bon, c'est du lourd. Et c'est d'autant plus lourd que ça traite d'antigravité, mais bon. Bon, excusez-moi. On attaque. Et donc, c'est Monsieur Richard Dolan. Ici à l'écran, si ma souris veut bien obéir à mes commandes. Non, elle ne veut pas, hein, c'est terrible. Donc, elle ne veut pas, donc je fais la mouche sur le front de Richard Dolan, qui est donc un journaliste très sérieux. Ah. Très sérieux, il ne prend pas de risque avec sa santé, ni avec sa réputation, et il ne se fie que sur des documents sérieux, quoi. C'est un petit peu comme J.P. Farrell. Il ne veut pas être traité des wouhou de l'ufologie. Il n'a pas tort, hein, il n'a pas tort. Grâce à lui, j'ai plus de sérieux aux yeux du public aussi. Mais moi, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le sujet dont on traite. Donc, j'ai fermé ma porte à double tour. J'ai promis double ration de croquettes au chat pour qu'il monte la garde. Et je me suis remis au travail et on va traduire. Ce qui est clair, c'est important. C'est même très important. Les discussions publiques que nous allons avoir à propos de ce document ne font que commencer. C'est peut-être aussi un peu pour ça que je me suis relevé de mon lit. Et alors, cette vidéo est libre de droit, hein, la mienne. Et pourquoi il est libre de droit? Parce que c'est des informations qui doivent parvenir au public le plus tôt possible, et sans aucune empreinte, ni droit à payer, ni quoi que ce soit. Hein, il n'y a rien qui est à moi là-dessus. Si, mon matériel avec lequel je travaille là, mais c'est tout. And there is no doubt in my mind that it will continue through the remainder of this year, and I think for years to come. Until it is surpassed by something even bigger, if that were to happen. I am talking about the Admiral Thomas Wilson documents. These are in relation to Vice Admiral Thomas Ray Wilson. Oui, le vice-amiral Ray Wilson est en communication avec lui. Un homme qui avait une carrière longue et riche dans la Navy américaine. Wilson était directeur de l'agence de renseignement, la DIA, de 1999 jusqu'en 2002. Voici donc Thomas Wilson, directeur donc de la DIA. Et auparavant, il était aussi chef des renseignements pour un groupe mutuel, enfin des Joint Chiefs de renseignement, nommé le G2, de 97 à 99. Lui-même, Richard Dolan, D-O-L-A-N, était au courant de cette affaire depuis longtemps.
Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de document pour confirmer. En 2007, déjà, il avait commencé à en parler avec quelques collègues. Stephen Greer aussi. L'ex-astronaute Apollo, Edgar Mitchell aussi. En avait parlé de manière directe ou pas. Et plus récemment, Grant Cameron aussi, qui lui est un chercheur en ufologie, musique et rapport entre les musiciens et les ET. Et son site s'appelle White House UFO, tout attaché. Et Michael Hall aussi en a parlé. C'est d'ailleurs a priori lui qui a relâché ce document, released, qui a distribué le document, qu'il a libéré de ses tiroirs, on va dire. Giuliano Marinkovic a établi une certaine chronologie à propos de ces documents. Et dans un article qui s'appelle le briefing à propos des UFO au Pentagone en 1997. Donc, on va parler des notes que le docteur Eric Davis a mis par écrit en octobre 2002. Voici le docteur Davis, qui est un scientifique très particulier. Il était membre de l'Institut national pour la découverte et la science, auquel appartenait le millionnaire Robert Bigelow. Il y avait aussi l'organisation, le NIDS, et donc il a apporté son savoir à beaucoup de recherches à propos des ovnis, entre autres. Le mystère du triangle noir et aussi le ranch de Skinwalker dans l'Utah, dont justement Bigelow avait fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps, mais qu'il a revendu parce que quoi qu'ils s'y produisent, ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne savent pas maîtriser les événements qui s'y produisent et finalement, a priori, soit ils ont résolu le problème et ils disent qu'ils ne savent pas quoi en faire, soit effectivement, ils ont su quoi en faire et puis maintenant, ça ne les intéresse plus, mais toujours est-il qu'il a revendu, si ça vous intéresse. C'est l'endroit où apparaissent des vortex, des E.T., des Sasquatch, des monstres bizarres, enfin plein de trucs. Donc Davis était un associé proche du docteur Hal Puthoff, qui possède la compagnie AirTech et qui travaillait autant dans la science que dans le milieu du renseignement. Avec Russell Targ, Hal Puthoff ont monté beaucoup d'études à propos des remote views d'ailleurs, dans les années 70-80. C'est un expert dans les énergies du point zéro. Il a écrit des papiers à propos de la métrique de l'espace-temps. L'ingénierie de la métrique de l'espace-temps. Non, parce que j'en ai un petit peu marre d'écrire dans tous mes coms énergie libre et écologique, 100 ans de retard depuis Tesla. Donc en fait, ce soir, c'est un petit peu une grosse crotte de nez à la tête de Total SOL, Fareva et de tous ceux qui se moquent de nous, là, qui parlons d'autre chose que du diesel. Je vais tâcher de ne pas m'énerver, mais là, j'étais déjà fatigué et la fatigue a disparu, mais elle s'est transformée en irritation suprême, là. Vous comprenez un petit peu pourquoi, en fait. Vous comprenez aussi le stimuli qui anime les ufologues qui dépassent le tolé-boulon. Et puis même ceux qui sont dans le tolé-boulon, d'ailleurs. Donc, il est très proche de Bigelow aussi à de multiples occasions. C'est un membre de To The Star Academy, TTSA, vous savez, cette association qui est sortie il y a 2 ans, là, vers décembre, le 17 décembre, non. 17 décembre 2017, oui, peut-être bien, avec le rocker et puis Peter Levanda, et puis le soutien de la CIA, du NRO, du FBI, et 2 articles qui sont sortis dans le Washington Post et le New York Times, qui, malgré que ces 2 journaux soient donc infiltrés par la CIA et tout ça, diffusent quand même des informations qui devraient alerter le public. Ça a été aussi repris un tout petit peu dans d'autres journaux aux États-Unis. En Europe, il y a eu un article aussi, mais un. C'est donc une académie qui dit que depuis 5 ans, ils s'intéressent aux ovnis, qu'ils y ont dépensé 20 millions de dollars, ce qui est lamentable, quoi, ça fait juste les cacahuètes à la fin du débriefing. Ce n'est pas le prix d'un TR-3B, qui est en milliards de dollars. Bon, toujours est-il, Hal Puthoff est quand même quelqu'un qui a essayé doucement, à son niveau, de soutenir la cause de l'ufologie.
Et donc, d'après Richard Dolan, Davis et Puthoff sont engagés dans les recherches les plus poussées au niveau de l'ufologie, notamment puisqu'ils travaillent sur maintenant le célèbre artefact issu d'un crash d'OVNI qui contient ce que l'on appelle des métamatériaux. Oui, métamatériaux, tu vas prendre froid, toi. Qui possède des propriétés incroyables. On en reparlera une autre fois, plus précisément de ce métamatériel. Matériel qui est composé de nanocouches, de bismuth, de... Oh, je ne sais plus. Linda Moutanouv en parle une fois ou deux. En tout cas, c'est assez antigravitaire et puis plein d'autres trucs. Bon. Donc, l'histoire de fond, c'est que Davis n'est pas un scientifique anodin. C'est quelqu'un de posé et qui a une solide approche scientifique de certaines zones de recherche qu'on appelle l'étrange. Et son association avec Bigelow et Puthoff lui ont permis d'avoir accès, de temps en temps, au moins, à la présence d'individus surpuissants, en l'occasion, l'amiral Thomas Wilson. Ces notes, et il y en a 15 pages au total, ont été écrites à la suite d'une interview, d'une rencontre qu'il a eue avec Wilson en octobre 2002, comme je disais tout à l'heure. Si ça se trouve, le 16 octobre. Il concerne une série d'événements qui ont eu lieu durant le printemps 1997, quand Wilson était député directeur de l'intelligence pour le Joint Chief of Staff. Je ne sais pas le traduire proprement en français, donc je vous le donne direct en américain. Et avec une dent qui manque pour l'accent. Et ce qui s'est produit pendant ce meeting, c'était une discussion de très grande importance. Sinon, je ne me serais pas relevé. Elle concerne rien de moins qu'une confirmation de l'existence de dossiers profondément classifiés, secrets donc, à propos de programmes, donc de programmes classifiés, hein, en fait, dans le but d'étudier les technologies aliens. Les technologies aliens ! J'espère que je ne vous ai pas pété les oreilles, là. Mais ça fait bien fou ! Même si c'est des aliens qui sont terrestres, même si c'est des humains, de la breakaway civilization, on s'en fout là maintenant. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il y a ces technologies là. Et que nous, on est derrière des diesels. Il y a des particules qui font mal aux poumons, mais il ne faut surtout pas fumer, parce que ça, c'est mauvais pour votre santé. Hein? On reprend. Et a priori, ce sont plutôt des aliens extraterrestres, dit-il. Ça signifie que c'est leur vaisseau et toutes les technologies qui y sont liées. Comme tout le monde sait, on en parle depuis des années de tout ça. Mais ces documents qui ont fui, enfin, qui ont été distribués, qui sont sortis des tiroirs, et ce ne sont pas les premiers qui aient fui. Reviens qui aient fuité, pardon, à propos de revendications sur des technologies aliens. Mais ce sont les plus flagrants, on va dire, les plus saisissants, les plus... compelling, en anglais. Irréfutable, voire convaincant. Et contrairement à d'autres documents sur le MJ-12, il n'y a aucun argument à propos de leur authenticité. Ils sont fiables, quoi. Ces documents sont réels. Et il faut bien comprendre que ce ne sont pas des documents classifiés de la part du président ou même de Wilson. C'est une sacrée série de notes de la part d'un scientifique qui ne l'a destiné qu'à un groupe très très réduit de pointures scientifiques, des collègues à lui, ce qui lui procure une crédibilité exceptionnelle. En plus, les détails et les noms spécifiques cités dans ce document rendent évident que c'est vraiment très vrai. Richard Dolan pense qu'il sera impossible de débunker ce document. Les sceptiques pourraient argumenter qu'on a pu lui donner de faux renseignements. Mais comme vous allez le voir, ce n'est pas non plus un argument crédible. En plus, c'est une pointure scientifique, le gars, vous n'allez pas lui raconter n'importe quoi, il a plus que votre niveau à tous les niveaux. Et c'est une pointure dans le fringe. Oui, comme la série à la télé, là. Ouais, un peu de genre. Ben non, c'est le même nom, quoi, mais ça traite de même domaine, d'accord. Donc, ces 15 pages qu'on va vous montrer là, si, si, mettez vos lunettes, un casque, asseyez-vous, mettez une ceinture,
Donc, vous pouvez faire des screenshots si vous voulez, mais sinon, vous pouvez aller sur le website, le site web. Le dit site web, voici l'adresse https://imgur.com/gg. Je crois que c'est... Ah, il va le dire. I majuscule, F majuscule, T majuscule, petit f, Q majuscule. Donc, voici la page 1. Mais je vais vous faire un plaisir. J'y suis là sur le net, donc je vais vous la donner. Là, voilà. Sur le site Imgur. Je fais un peu défiler. Et après, bon, je vais continuer à d'abord traduire Richard Dolan, mais peut-être aussi que je la traduirai dans la filet. Que je l'ai traduirai. Special Team, Secondary Mission, AFIO, Furious. Défense for Acquisition and Technology. L'office du secrétaire de la Défense pour l'acquisition et la technologie. Oui, qu'est-ce que c'est que ce nom ? Acquisition et technologie. Et d'où proviennent les acquisitions ? Hein, ce n'est pas la découverte qui sort du laboratoire. Acquisition, par quel biais ? Ça, c'est le beau boulot de l'espionnage, quoi. Hein ? Le racket, l'extorsion, le vol ou la récupération de crash. Bon, on continue. Des titres, des noms. Je fais défiler pas trop vite, mais c'est pas très pratique là, avec un petit écran comme ça pour prendre des captures d'écran. En plus, il y en a 15 pages, hein, vous avez le temps. Hein. Ouais, ça fait 100 ans de retard qu'on a derrière Tesla, et ça, c'est encore à la limite plus poussé, si ça se trouve. Je ne sais pas s'ils vont tout décrire, hein. Je ne l'ai pas encore traduit. Je ne sais pas que ça ne m'intéresse pas. Roswell. L'Air Force Base de Holloman, l'atterrissage à l'Air Force Base de Holloman, le MiG-12, Zamora et Bentwaters, Sapok, ah oui, Sapok, ça fait le directeur de la DIA, Defense Intelligence Agency, donc c'est le service de renseignement de l'armée. Du ministère de la Défense. C'est le top niveau, plus ou moins, enfin, hein, parce qu'il y a un nombre incroyable d'agences de renseignement. Alors, je ne sais pas combien, mais beaucoup. Voilà, on verra si on y revient, hein, pour le traduire, après qu'on ait fini avec Richard Dolan. Bon, j'espère que le changement d'écran, le partage d'écran s'est bien déroulé. Voilà. Donc, il va nous le défiler lui aussi jusqu'à la page 15. Après, il y a une lettre dont on va parler plus tard. Donc, c'est des notes qui datent d'octobre 2002. Donc, Tevis et Wilson devaient se croiser à 10h du matin. Wilson est arrivé avec 10 minutes de retard, avec deux hommes en uniforme, deux officiers de la Navy. Non, lui, il était en civil avec une petite chemise, col strict. Non, je ne vais pas faire mon Corey Good. Et ils sont assis à l'arrière de la voiture de Wilson pendant à peu près une heure. C'était à côté des buildings de l'EGNG, la EGNG Special Project. Division.
qui était un lieu assez reconnu et réputé, pour être le départ des vols en direction des zones secrètes, la zone 51, Groom Lake, etc., etc., S4. Davis a commencé à demander des questions à Wilson à propos d'une rencontre très importante, datant d'avril 1997, ce qui était connu de très peu de gens à l'époque, mais il y avait le docteur Stephen Greer, qui était très impliqué dans la recherche ufologique, l'astronaute d'Apollo 14, Edgar Mitchell, dont voici les photos, donc Stephen Greer, qui avait la barbe à l'époque, Edgar Mitchell, et donc l'amiral Wilson, si je ne me trompe pas. Non, c'est Willard Miller, un lieutenant-colonel. Et ces trois qui bossaient ensemble ont aussi rencontré l'amiral Wilson et deux autres individus qui étaient l'amiral Michael Crawford et le général Patrick Hughes. Donc, d'après un regroupement de notes, on peut dire que c'était le 9 avril. Il n'est pas vraiment marqué dans les notes à propos de quoi avait lieu, à quel sujet avait lieu le meeting, mais on le sait grâce aux notes de Greer et de Mitchell. C'était de façon à amener l'attention de ce gouvernement sur l'existence de projets noirs profondément cachés, des projets des organisations privées qui s'occupaient d'études sur les technologies aliens et des corps d'aliens. Tiens, je vais boire un petit coup. Vous en voulez? Et qu'ils auraient aimé amener sous le contrôle du gouvernement américain. Et des notes, il est ressorti qu'ils avaient amené à ce meeting un livre tout neuf intitulé « The Day After Roswell », écrit par le colonel Philippe Corso, à la retraite, qui est édité en français d'ailleurs. Je ne sais pas si je l'ai en français ou en anglais, moi. Ben, je l'ai en français, il s'appelle « Au lendemain de Roswell, contact extraterrestre ». Un ancien officier du Pentagone révèle les faits et l'étonnante histoire de récupération d'une technologie avancée, tenue secrète par le gouvernement américain. Écrit par donc le colonel Philippe G. Corso avec William G. Burns, édité chez Ariane. Stupéfiant, un compte-rendu fascinant de l'incident de Roswell et de ses conséquences. Voilà. Avec entre autres, puces électroniques, circuits intégrés, fibre optique, laser, aimant au néodymium, et d'autres interfaces un peu particulières, je crois, mais bon. Revenons à notre interview. Dans lequel, donc, il est dit qu'une au moins une partie des technologies qui ont été récupérées à la suite du crash de Roswell. Davis's notes gloss over this part of the meeting that is with Greer and Mitchell and Miller. However, you make sure that the Donc j'ai dû bugger là. Davis, Greer, Mitchell, Miller s'est concentré sur ce dont ils avaient discuté après le meeting. Donc c'était une conversation de deux heures entre le lieutenant-colonel Miller et l'amiral Wilson sur le sujet des ovnis, des UFO, UFO qu'on appelle maintenant UAP en américain, Unidentified Aerial Phenomenon. Et en français, ça a aussi changé de nom, hein, parce que régulièrement, ils changent le nom des ovnis, enfin, de l'appellation qu'on donne aux ovnis, de façon à ce que, déjà, ceux qui ne sont pas au courant de la nouvelle appellation passent pour des fanfreluches, d'une, et de deux, en disant, ah non, nous, les ovnis, on ne connaît pas, on connaît, en français maintenant, les PAM,
des phénomènes aériens mal identifiés. Excusez-moi, celle-là, je ne pouvais pas la louper. Les PAN, les phénomènes aériens non identifiés. Donc, ça parlait aussi du MJ-12, de Roswell, de la récupération de crash. Et donc là, il nous montre une prise d'écran de ce passage-là. Donc, T. Wilson, je pense, a confirmé que Greer, Miller et Mitchell ont donné au Pentagone une conférence avec l'amiral Mike Crawford, le général Pat Hughes. Hughes était son boss, qui était présent. Il y en avait aussi d'autres, en date d'avril 1997. C'est ce que disait Ed Mitchell le 9 avril 1997. Après que le groupe se soit séparé, Miller et Wilson ont parlé en privé pendant 2 heures sur les ovnis, le MJ-12, Roswell, les ovnis crachés, des corps d'aliens, etc. TW était intrigué et il connaissait l'intelligence, donc les services de renseignement, à propos des services de renseignement militaires sur les ovnis et les rencontres rapprochées et les rencontres d'autres gouvernements étrangers à voir dans les dossiers avec 10 milliards. Oui, parce que les États-Unis, c'est grand, ouais, mais bon, c'est tout petit. Hein, par rapport à l'Afrique, c'est tout petit. Par rapport à l'Europe, c'est assez petit. Par rapport à la Russie, c'est, je ne sais plus, un tiers ou la moitié de la superficie. Par rapport à l'Asie, mais vous pensez que les ovnis tombent qu'à Roswell? Ben non, hein. Ils en tombent de partout. Bon, il y a des jours, ça pleut, alors je déconne. Mais je crois que tous les jours, il y a des observations et les mecs qui bossent là-dedans, ils chôment pas, hein, jour et nuit. Donc, on continue. TW qui écrit que oui, Miller a posé la question sur le MJ-12 et la cabale à propos des ovnis et des ovnis crachés. C'était confirmé qu'il avait appelé Miller dans le courant de juin 1997 et qu'il lui ait dit que lui et Miller avaient raison et qu'il y avait de telles organisations qui existaient. Donc, TW, c'est Thomas Wilson. Oui, en fait, Sean Record, c'est pas... C'est qu'il avait vu des dossiers, des rapports. C'est ce qu'il a dit à Miller. Ce passage-là, quand je le traduisais, j'ai fait une petite erreur. Et ça, quand même, c'est une information, une affirmation intéressante, n'est-il pas? Donc, rappelez-vous, c'est quand même en 1997, c'est-à-dire une dizaine d'années avant le début du ATIP programme, qui est donc un programme d'intérêt de la part du gouvernement à propos des UAP, des ovnis. Donc, vous voyez, hein, on vous dit... Ouais, on a commencé à bosser dessus en 2007, et puis non, en 97, ils avaient déjà des dossiers traitant de leurs études à ce propos. Donc, quand la TTSA nous dit en 2017 que ça fait 5 ans qu'ils bossent dessus, ça remonte même pas en 2012, quoi. Et puis, en fait, même tout ça, c'est faux, parce qu'en 1930, ils bossaient déjà dessus. À mon avis, l'OSS avait les yeux et les oreilles comme ça sur l'Allemagne nazie, vu qu'il y avait des soucoupes qui étaient tombées en forêt noire et en Italie. Ce qui avait déclenché déjà, d'ailleurs, la création du SIV, Service d'Informazione del Vaticano. Oui, oui, c'est le Vatican en Italie qui s'occupait de ça. Oh. Mais pourquoi pas? Il n'y a pas un truc dont ils ne s'occupent pas, de manière évidente. Vous savez que c'est quand même les jésuites qui tiennent plus ou moins le Vatican. Bon. Ce n'est pas le sujet, mais bon. On reprend. Et donc, des renseignements venant de l'intelligence militaire, des services de renseignement militaire à ce propos, vous ne pensez pas que l'armée dépense des sous dans le vide comme ça, hein? Non, parce qu'il y a des morts à tous les coins de rue là, dans ces affaires-là, en général, aussi. Hein, il y a des gens qui ont la vie brisée, il y a des fortunes qui se créent, il y en a qui sont démolies, et il y a un retard dans la civilisation inimaginable.
pour des questions économiques, soi-disant, entre pays. Mais comme je vous le disais, ça m'étonnerait qu'il y ait pas, que ça ne pleuve pas un peu partout ailleurs. Et on n'habite que sur un quart des surfaces émergées. Le reste des surfaces étant de l'eau. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas aussi là des crashs, s'il doit y avoir des crashs. À mon avis, il y a plutôt des bases sous l'eau. Mais bon, c'est un autre sujet. On y reviendra un de ces jours. Quand j'irai à la plage. Mais bon, comme les chats, ils n'aiment pas trop l'eau, je ne sais pas si je vais y aller. Et maintenant, on arrive à la première nouvelle explosive de ce document. Le fait que l'autre était capable de confirmer en juin 1997 qu'il y avait déjà de telles organisations qui existaient, qui étaient en relation avec le MJ-12, qui s'occupait des ovnis et de toute la cabale autour des ovnis et des crashs et des corps d'aliens et tout ce qu'on a lu tout à l'heure. Et donc, à cette époque-là, on est dans la fin juin 97, Wilson a trouvé Miller et lui a dit « Ouais, en fait, t'avais raison, mon gars. Ces groupes existent, il y a une cabale là autour. T'étais pas un conspi, en fait. Mince. Enfin, si, t'es un conspi, mais un conspi qui a raison, une fois de plus. La conspiration, c'est en fait de cacher tout ça, hein, quand on donne le vrai sens au mot. Et on aura beaucoup à dire à ce propos-là, comme vous verrez, dit-il. Et lui, Richard. Et donc, à l'arrière de la voiture, il lui montre une lettre de Willard Miller, et qui communiquait en correspondance de manière privée avec lui, et qui est donc dans le document là, qu'on a vu tout à l'heure, hein, les 15 pages. Et donc, voici à l'écran cette section d'une lettre, le morceau. Donc, c'est une lettre qui est datée de 2002, donc un petit peu avant le meeting que ces deux personnes ont eu. Et ça rend évident le fait que Davis et Al Puthoff étaient déjà engagés dans leurs propres recherches sur les crashs d'OVNI, essayant de mettre de l'ordre dans toutes ces histoires, de savoir qui est qui et qui fait quoi, et notamment au sein du gouvernement, qui savait quoi. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il était capable de fournir à Davis et à Puthoff les noms et au moins la location, l'emplacement, hein, d'un officier spécialisé dans la reproduction de véhicules alien. Je vais encore m'éclaircir la voix. Dans la reproduction de véhicules aliens. Ce qui explique qu'effectivement, plus ou moins 80% des observations d'OVNI concernent des véhicules terrestres, parce que c'est en fait des reproductions de véhicules aliens. Enfin, peut-être pas 80%, là on va en mettre 70%, et puis il y a 10% aussi qui sont d'autres véhicules qui ont été créés par des gars comme Schauberger, Tesla, Otis Carr, Ralph Ring, c'est-à-dire des scientifiques qui ont continué d'autres projets et d'autres études, d'autres recherches faites par des humains normaux. Enfin, Tesla, lui, il communiquait avec des entités aussi, hein, les nazis aussi, hein, ils ont été aidés par des gens venant d'autres mondes. Ah tiens, en encart, là, quand on a Junker qui dit « Eh les gens, j'ai croisé des gens venant d'autres mondes qui prêtent un œil à l'avenir de l'Europe », eh bien, on peut se demander si finalement il était bourré ce jour-là ou si là, il ne s'est pas servi du fait qu'il passait pour un ivrogne, qui aurait pu dire n'importe quoi, pour en fait nous en glisser une de 240 sur l'autoroute. Ben, c'est interdit, mais à une époque, j'ai roulé dans une Mercedes allemande. Je faisais du stop, moi, hein, j'étais à l'arrière. Et les mecs, ils roulaient à 240. Hein. Ils ralentissaient pour les passages, vous savez, qu'il y a entre les segments de goudron. Il y a une fine bande comme ça. Il était obligé de ralentir parce qu'à cette vitesse-là, ce petit truc au milieu de la route, là, ce petit changement de bitume se ressentait. Et ce n'était pas une X5 là, de chez BMW, hein, non, c'était une Mercedes 280 ou 300 quelque chose, 350 ou je ne sais plus. Mais enfin, j'étais jeune. Hein. Et comme je parlais allemand, à une station de service, ils prenaient de l'essence et je faisais du stop là. Et donc, je les ai alpagués. Ils étaient très dubitatifs, mais bon, j'avais un peu de bagou, quoi. Et puis, c'était un jeune couple, à mon avis, de jeunes industriels, assez friqués, quoi. Et puis, bon, ben, ils ont dit, pourquoi pas, ce sera une... On aura ça à raconter à nos collègues. Nous avons pris un autostoppeur français, oui, sale,
avec une certaine odeur, mais qui parlait l'allemand? Moi, je plaisante. Non, je plaisante pas, c'est du vrai. On va reprendre sérieusement l'étude de notre vidéo. Donc, je vais vous traduire, en fait. Le nom est le dernier emplacement de travail, à mon avis, d'un senior officier, d'un officier majeur, qui, à mon avis, avait des renseignements de première main du gouvernement américain sur les véhicules de reproduction alien, les véhicules alien, enfin les reproductions de véhicules aliens, ARV, à la zone 51 et dans les zones associées, hein, donc Groom Lake, Papoose Lake, S4. Allez savoir, de toute façon, là-dessous, à mon avis, tout communique. Article 3, là, enfin paragraphe 3. Le nom et l'emplacement de travail, ou comment on pourrait dire ça, de cet officier à la retraite, qui, je crois, était directement impliqué dans les interactions du gouvernement avec des événements d'OVNI significants sur la côte est des États-Unis, la côte est. Ah ouais, parce que Roswell, c'est plutôt à l'ouest. Hein. Et oui, ça serait. Je n'ai pas le nom en tête là, mais. Et qui, je crois, avait, par privilège de sa position de leadership, en tant que militaire de haut rang, un certain contrôle sur des forces militaires. Certaines, et qui avait une connaissance directe du gouvernement américain et de ses implications dans ce business. Il y avait aussi une liste de sous-traitants civils de ce gouvernement qui, grâce à leur passé, et leurs activités actuelles hautement classifiées, leurs capacités courantes, leur sécurité, leur personnel spécialisé et la zone géographique concernée, avaient plus que probablement des implications et des connaissances sur les travaux du gouvernement américain à propos de technologies dérivées de chez les aliens, des crashs, des atterrissages et des événements associés. En remettant les mots dans le bon sens, vous allez comprendre. Bon, c'est à peu près compréhensible, quoi. Hein ? En fait, ils disent non, ça n'existe pas. Et en fait, il y en a, ils bossent dessus et ils sont au courant de tout. On reprend. Là, Richard nous suggère que c'était au moins depuis les années 1980 qu'il y a eu des tentatives de réplication de ces soucoupes volantes aliens. Or, nous, on sait, là, hein, nous, les hirsutes de l'ufologie, qu'en 1955, ils maîtrisaient l'antigravité. C'est ce qu'a dit une pointure des Skunk Works, je crois, de Lockheed Martin. Je ne suis pas sûr que ce soit Bob Wood. Je pense que ça aurait pu être confirmé par William Tompkins, qui est le collègue à Michael Salah, ben, qui est mort maintenant, hein, et dont Corey Good et David Wilkos se servent allègrement du matériel en faisant un mix avec toutes ces données-là, qui étaient déjà sur le terrain, je vous le dis, bien avant l'arrivée de Corey Good. Corey Good, il était encore en PTSD, que nous, on travaillait déjà là-dessus. C'est pour ça que c'est un peu énervant qu'ils viennent se mettre là au milieu, puis qu'en plus, ils montent un culte. Un culte qui est soutenu par une entreprise très bizarre de l'Est, polonaise plus ou moins assez satanique, et qui, à mon avis, hein, est très impliquée dans la mort de ce pauvre Max Spears. Et on aura des confirmations lorsque Michael Prince sortira de prison parce qu'il s'est fait enfermer pour un meurtre. Mais c'est le genre de meurtre qu'il pratique toute la journée, hein, sur ordre, là. Et puis quand on a envie de se débarrasser d'un d'entre eux,
on dénonce un meurtre qu'il a commis sur commande, mais là, on ne dit pas que c'est lui qui l'a fait sur commande. Vous voyez dans le genre. Puis en plus, c'est des gens qui sont sous contrôle mental et des fois, ils ont des relations sexuelles un peu bizarres. Et donc, ça, hop, là, d'habitude, ça fait partie du contrôle mental et du jeu. Et puis là, hop, ça tombe sous le coup de la loi d'un coup, vous voyez. Voilà, donc, ce ne sont pas des gens sympas avec qui on peut bosser, vous voyez. C'est vraiment pas des gens sympas. C'est dépitant à la santé de ceux qui ont souffert. Ah, c'est ignoble, on va dire, en fait. Mais vous ne faites pas d'illusion, hein. Tous les services secrets marchent avec le chantage, le trafic sexuel et des trucs horribles les uns après les autres. Hein. Le but du jeu, c'est de gagner la partie, et donc, c'est pas un jeu. Hein. Voilà. Tout ça pour que nous, on reste pendant 100 ans derrière des diesels de toute façon. Hein. Alors que normalement, on les paye, ce sont nos services secrets, ce sont notre armée, avec nos impôts. Voilà, ils n'ont plus besoin de nos impôts, en fait. Hein. Avec des trucs comme ça, là, ils trouvent des sous très rapidement. Ils en ont beaucoup plus que nous, que tout ce que nos impôts peuvent leur rapporter. Surtout avec 5% de budget ou je ne sais pas quoi. Et surtout quand on limite leur budget. Ça fait des scandales et tout ça. Ça permet à certains de démissionner. Et hop, qu'est-ce qu'ils font? Hop, ils vont trouver leur boulot. Hop, de l'autre côté de l'Atlantique. Tiens, tiens, tiens. Bon, ce n'est pas le sujet. On va reprendre. Donc, Davis a montré à Wilson cette lettre et Davis indique qu'après que Wilson ait lu ça, il a rigolé et il a dit qu'il n'avait pas tout dit à Miller. Quoi que ça puisse signifier. Et Wilson a répondu. Donc, Wilson a dit que Miller pouvait bien se douter lesquelles des entreprises, les sous-traitants, avaient quel genre de récupération alien. And he also said Miller could give good advice or can give good advice on which defense companies to look at. And j'allais bugger là. Et qui pouvait le conseiller sur quelle entreprise enquêter à propos de ces rétro-ingénieries. Et Wilson a rajouté, et c'est tout ce qu'il sait. Donc clairement, Wilson en savait encore beaucoup plus. Ah, mais qu'est-ce qu'il peut savoir de plus? Qu'est-ce qu'il peut savoir de plus? De quoi est-ce qu'on n'a pas parlé? Ben moi, je pense qu'on n'a pas parlé des relations avec les Russes, puis peut-être même avec les Chinois, ou les Indiens, les Japonais, les Français, les Anglais. N'oublions pas qu'en Angleterre, hein, il y a des radars hyper modernes qui sont tenus en fait par les Américains, ainsi que nous l'a confirmé Parks, Simon Parks. Encore. Donc peut-être que Simon est, on peut le remettre en cause sur certains sujets, mais sur d'autres, il a des renseignements de manière indubitable. Et on se demande un peu pourquoi. Ah non, c'est vrai que sa mère bossait pour le MI5 et son grand-père pour le MI6 ou un truc dans le genre. Hein, et que son grand-père avait participé à un vote au sujet de la possibilité du roi de l'époque d'être en place ou pas. Donc, il y a des gens qui ont un pouvoir au-dessus de la royauté anglaise. Moi, je pense que les GJ devraient s'unir et puis communiquer tous ces renseignements entre eux. Parce que mondialement parlant, ces groupes-là, là, c'est nos opposants. Hein. C'est eux qui nous tiennent en balle. Et eux, ils n'ont pas de frontières. Bon, c'était un encart un peu politique. Je l'admets, c'est un peu politique. Non, mais ça, par contre, ce n'est pas politique. On continue. Donc, Miller, qui était un ancien officier de la Navy, a quelque part trahi la confiance de leur conversation en rapportant notamment peut-être à Stephen Greer et qui sait d'autre. Et Dieu qui sait. Qui d'autre? Il a même informé un journaliste, Leslie Kane, qui a écrit un article sur les UFO dans le Boston Globe. C'est une journaliste, hein, Leslie Kane. Richard Dolan n'est pas sûr que ce soit le cas, mais c'est en tout cas ce que pensait Wilson. Dans les notes de Davis, il y avait en rajout qu'il n'en avait parlé qu'à Edgar Mitchell dans le courant 1999.
Oui, mais bon, si Edgar Mitchell, c'était Apollo 14, Apollo, les missions Apollo, la 14 en tout cas, c'était dans quelle année ça? Entre 70 et 80? Je ne sais pas du tout. Et en plus, il y a eu Apollo 17, 18, non, enfin, ça s'est arrêté sur 10 ans à la 17, et puis il y a eu quand même 18, 19 et 20. Hein. Ah ben, ces trois-là sont censés être des missions qui n'ont pas eu lieu, officiellement. Vous pensez que... Moi, je crois que... Je crois que les militaires, ils tirent ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils envoient des missions tous les jours s'ils veulent, maintenant. Là. On ne voit rien. Surtout depuis une zone 51 ou ailleurs. Peut-être depuis l'Antarctique, si c'est possible. Peut-être depuis d'autres bases, déjà plus loin. Puis avec ce matériel-là, il n'y a plus besoin de faire des lancements de missiles, de fusées. Hein ? Vous vous rendez compte à quel point on plane ? Enfin, le public plane quant à nos capacités technologiques et le mode de vie qu'on pourrait vivre aujourd'hui, normalement. Vous vous rendez compte du gaspillage de nos vies ? Ça, ça mérite, moi, ça mérite. Là. Je ne veux pas être millionnaire, moi, mais je veux vivre normalement une vie qu'on devrait vivre grâce à tout ce qu'on peinait, souffert et trouvé, nos ancêtres. On reprend. Il était aussi assez clair que Wilson était très nerveux, même de parler avec Davis. Il avait admis qu'il prenait des risques rien que de leur parler. Et maintenant, on voit, 20 ans plus tard, que tout le sujet a fuité et que le monde entier en parle. Hein ? Aux 20 heures ? C'est sympa, Richard, mais... Il va nous falloir faire beaucoup plus fort pour que le monde entier en parle encore. Ils ne nous croient pas. On les mettrait dans une soucoupe qui ne nous croirait pas. Putain de télé. Donc, il lui demande qu'est-ce qu'il pouvait, s'il pouvait décrire ce qui s'est passé entre avril 1997 jusqu'en juin 1997 aussi. Et il nous montre là un autre bout du document. Ou c'est la traduction de ce qu'il vient de dire, là. OK, donc après, qu'est-ce qui s'est passé entre avril et juin 97? Eh bien, après être parti avec Miller, une semaine plus tard, il pense, il a fait un appel téléphonique, il a tapé à quelques portes, il a parlé à quelques personnes, et pendant 45 jours, et ce, pour une durée de 45 jours. À peu près. La manière dont Wilson a enquêté là-dessus, il dit qu'il avait reçu des suggestions de la part du général Ward, général M. Ward, qui lui a conseillé de chercher à travers les dossiers du groupe. Donc, c'est l'Office Under Secretary pour la défense et l'acquisition et la technologie. C'est un office très important, une division, un département. Et après quelques recherches, Richard Dolan pense que M. Marshall, le général M. Marshall Ward, dont voici une photo et une petite biographie. Alors là, je regrette de ne pas avoir pris en HD, mais d'un autre côté, il n'y a pas tellement intérêt à traduire son curriculum vitae. Hein. Mais bon, on se doute qu'il a les mains là-dedans jusqu'ici, quoi. En tout cas, il pense que c'est de lui dont on parle, parce que peu de temps après, il est devenu directeur de programmes spéciaux justement dans ce département de recherche et d'acquisition de technologies au Pentagone. Et de manière encore plus intéressante, c'est l'époque où Wilson est entré en relation avec le secrétaire William Perry, qu'on voit à l'écran, qui était secrétaire de la Défense, de 1994 à 1997, et qui est une personne extrêmement importante et qui est toujours vivant, qui a 91 ans. Et si vous parcourez la biographie de Perry, vous verrez que c'est quelqu'un d'exceptionnellement intelligent, qui connaît absolument tout ce qu'il faut connaître, les gens qu'il faut connaître,
Et a priori, il a toujours été là-dedans. Ce qui est fascinant à lire, c'est que Wilson a dit à Davis qu'il avait croisé Perry en mai 97. Et voici encore la correspondance avec le dossier qui est sur le site Imgood. Et donc, il y a une succession qui provenait de Ward, le général M. Ward, d'aller parcourir les dossiers sur les groupes, comme dans un système indexé, de l'AUSDAT, O-U-S-D-A-T, l'Office of the Undersecretary of Defense for Acquisition and Technology. Il est allé voir Bill Perry en mai 97. Il lui a parlé de ça discrètement. Il lui a suggéré la même chose. Et ils lui ont dit à propos d'un groupe intéressé aux projets spéciaux qui n'appartenait pas à l'habituel SAP. Une sous-division spéciale de programmes non reconnus, tels que la division SAP avait été organisée en 1994 par Perry lui-même, et qui avait été mis à part et enterré, couvert par les SAP conventionnels. Donc, je vais bientôt comprendre ce que signifie SAP. Et je vais vous le dire, si vous êtes sage. Puisque vous êtes sage, on va dire. C'est moi qui suis le moins sage d'entre nous tous ce soir. Alors, vous vous demandez peut-être, encore, pourquoi est-ce que je suis aussi remonté et que je ne suis finalement pas abasourdi ou surpris? Eh bien, c'est parce que le docteur Gray a sorti un livre il y a quelque temps qui s'appelle « Unacknowledged », ce qui signifie « non reconnu ». C'est-à-dire que si vous faites une demande d'après la loi FIAO, la Information Act, qui doit fournir des renseignements à propos de tous les dossiers qui sont maintenant déclassifiés, il y a des dossiers sur lesquels vous ne pourrez jamais poser une question, c'est ceux qui ne sont pas reconnus. Si vous dites, mais quels sont les dossiers sur les bases lunaires ou les bases martiennes, s'il y en a, possiblement qu'il y en ait, et depuis un moment. Hein. Non, enfin bon. Et que ces bases soient classifiées dans ce dossier-là, enfin dans ce domaine-là, elles ne sont pas reconnues. Ils vont dire, nous n'avons pas ça, ce n'est pas reconnu comme étant de chez nous. Et donc, Stephen Greer, dont on se moque un petit peu, parce que bon, c'est un bodybuilder, et puis il a fréquenté des millionnaires, on se demande un petit peu de quel côté il est, de temps en temps. Mais c'est quand même quelqu'un qui se bagarre depuis un moment, justement, pour la libération des énergies libres, entre autres. Et donc là, c'est marqué, nous ne sommes pas seuls, nous ne l'avons jamais été, non reconnu, un exposé des plus grands secrets mondiaux, par Stephen M. Greer, qui était MD, donc medical doctor. Il était effectivement urgentiste. Et ça a été édité par le New York Times, best-selling author, un des auteurs best-seller du New York Times, qui s'appelle Steve Alten. Derrière, en deux mots, au point où on en est, le plus grand mensonge dans l'histoire est proche d'être dévoilé, secoué. Les ovnis sont réels. Les extraterrestres ont interagi avec les humains depuis la Seconde Guerre mondiale, au moins. Il y a des preuves comme quoi notre ADN a été hacké. Et maintenant, dans les livres, on a aussi, des livres sacrés d'ailleurs, on a aussi finalement une lecture avec l'intelligence d'aujourd'hui qui permet de voir que c'était juste effectivement des IT. Pas très sympa d'ailleurs, vu le résultat des courses. Mais il faudra que les religieux, là, ils pensent à ça, et qu'ils reclassent leur spiritualité là où elle devrait être.
et non pas dans ses bouquins de... Ah oui, non, mais c'est un chef-d'œuvre de psychopathie, ces bouquins-là. Hein. C'est super bien travaillé. Hein. Puis quand on a ce niveau-là d'intelligence, qu'on les étit, on a une intelligence artificielle qui te permet d'éditer des bouquins où tu rentres dans des pièges qui te mettent dans le piège du piège du piège du piège du piège. Et puis l'humain, il est fragile. Et une fois qu'on l'a massacré à certains niveaux, traumatisé à d'autres, il a beaucoup de mal à sortir après de toutes ces conceptions mentales, psychologiques, spirituelles. Non, pas spirituelles, religieuses. Mais la spiritualité a disparu de tout ça. Elle a été hackée par la religion. Donc, voilà, lui il dit aussi hein, qu'ils ont réalisé le contrôle de la gravité en 1954. Lui il dit 4, hein, moi je disais 5. Ils sont contrariants quand même. Hein. Libre, l'énergie propre des systèmes qui pourraient avoir remplacé les fuels, les énergies fossiles depuis longtemps. Je ne sais pas, moi j'ai le 95 qui est passé à un 60 ici. Il y a des endroits où il est déjà quasiment à un 90, il me semble. On est en euros là, on n'est pas en francs. Hein. Moi je pensais qu'à une autre époque, on serait déjà avec l'antigravité et tout. On aurait dû. Normalement, on aurait dû. Si les gens avaient réagi avec autant de verve que j'ai là, que je tâche de faire passer de temps en temps dans la rigolade. Bon. À la fin de juin 1947, trois vaisseaux extraterrestres ont été descendus à l'extérieur de Roswell par une base de l'Air Force en utilisant un nouveau système de radar scalaire. Beaucoup d'autres ont suivi, révélant des douzaines d'espèces extraterrestres. Une sorte de pierre de Rosette vers une nouvelle physique, science physique. Une génération sur les nouvelles énergies, des systèmes de propulsion capables de soutenir des voyages interstellaires. Interstellaire, c'est entre deux soleils. Ce n'est pas interplanétaire, c'est entre deux soleils. Donc, d'une galaxie à l'autre ? Non, pas vraiment. D'un système solaire à l'autre. Voilà, on peut rester dans notre galaxie pour l'instant. Tu n'as pas l'âge, puis tu as la permission de 10 heures, alors hein, tu ne vas pas trop loin. Hein. Bon. Donc, on nous a menti, et maintenant, 70 ans après Roswell, les témoins de ce mensonge parlent dans une tentative de ramener l'humanité sur sa destination normale, son évolution normale, son chemin normal, son chemin interstellaire. On reprend. Donc, il est dit que Wilson et Perry ont parlé de ça. Donc, de ces récupérations de technologies extraterrestres à partir des vaisseaux qui ont crashé. Bon, en fait, là, il nous parle des vaisseaux crashés. C'est un encart, mais malgré tout, il me semble que dans les années 54, 5 et 7, il y a eu des rencontres avec des E.T. de la part, avec Eisenhower. Et c'est marrant, j'ai reçu un com juste qui m'a permis de rappeler ça ce soir. Et que Eisenhower était confronté à une force supérieure en nombre et en technologie, quoi, quelque part. Et a priori, il me semble même qu'au début, il ne voulait pas y aller parce qu'il s'est dit ils ont les capacités psy et si ça se trouve, ils vont nous prendre le chou. Prendre le chou de manière au coupe-coupe, quoi. Ben, c'est-à-dire que vous perdez le contrôle de vous-même hein, quand on vous prend le chou de cette manière-là, mentalement, psychiquement. Donc, si le gars dit « tu signes », et tu es encore content si tu n'en sors pas, hein, si tu sors vivant, quoi, et puis en bon état mental, si tu t'en remets.
je crois que je vous avais parlé un jour justement de la difficulté de communiquer avec des entités qui, suivant de la manière dont elles vous communiquent le message, si elles ne ciblent pas l'endroit où le message va parvenir au cerveau, ça va toucher d'autres zones qui vont être grillées par contre. Vous voyez, c'est, le courant est trop fort, l'intensité est trop forte, la fréquence est trop forte, enfin il y a des trucs. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut des personnes qui ont déjà pratiqué des exercices psychiques, qui ont déjà fait de nombreux yogas, qui ont un niveau incroyable au niveau énergétique, conception, mentale, plein de choses, quoi, pour pouvoir être confronté à ces entités ou même aux technologies que ces entités ont laissées sur la Terre. Et j'entends par là, par exemple, je vais faire un petit encart dans l'encart. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, pas tant d'ailleurs, on parlait du Buseggi et de la possible présence sous le Buseggi d'une ancienne base semi-domique, sous un dôme, avec du matériel et des portes virtuelles, enfin bon, des situations qui avaient nécessité la présence justement d'un yogi spécial, hein, d'un homme surentraîné, on va dire, à des niveaux psychiques, pour pouvoir passer les barrières qui empêchaient justement l'ouverture des portes, qui empêchaient l'utilisation des machines. Donc, il y a des militaires qui sont là, et il y avait beaucoup de francs-maçons d'un haut niveau qui avaient aussi une interaction et avec lesquels il fallait compter dans l'évolution de la relation ou de l'exploration de ces lieux. Et raison pour laquelle, d'un coup, la Roumanie est repassée d'ailleurs sous l'OTAN, où elle est entrée dans l'OTAN, où elle a fait sa demande pour entrer dans l'OTAN. Enfin, il y a les Américains qui lui ont dit, voilà, mais ce n'est pas uniquement les Américains, parce que dans l'armée américaine, il y a des gens gentils. Tandis que les francs-maçons, ils ne sont pas gentils d'une manière générale, quoi. Hein, a priori, ils ne sont vraiment pas gentils d'une manière générale. Et d'ailleurs, le représentant franc-maçon avec lequel, comment s'appelle-t-il, le personnage qui a écrit le bouquin, enfin bon, dont on parle dans ce bouquin sur le Buseggi, il a dit que ce franc-maçon-là, quand vous le croisiez, lui-même, vous sentiez que le gars, il vous possédait la tête, quoi. Il vous prenait le chou d'une certaine manière. Lui-même aussi. C'est le genre de gars, vous avez l'impression qu'il sait ce que vous pensez, hein, au minimum, voilà. Il vous met mal à l'aise, il vous démunit, il vous vide l'énergie, il fait ça. Enfin voilà, c'est des sorciers noirs qu'on appelle ça aussi en général, je crois. Hein. Ouais, il me semble. Moi, j'espère que je ne prends pas trop de risques pour ma santé. De toute façon, moi, quand on me cherche, hein, après, je réagis. Ou pas, d'ailleurs. C'est pas forcément moi qui réagis, d'ailleurs, parfois. Il semblerait, parce que j'y suis pour rien, il se passe des choses. Alors, bon. Alors, je ne veux pas m'avancer, hein, je ne frime pas. Il y a toujours plus fort, plus beau, plus gros, plus rouge, plus noir. Donc, je ne suis pas dans la compétition, moi. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que. Ah, revenons au sujet du Buseggi. Donc, il y avait cette interaction. J'espère que ça ne vous gêne pas, cet encart qui dure, hein, parce qu'on est quand même à la moitié de la vidéo, là, il me semble. Et... Ah, les gens aiment des petites vidéos courtes. On va traiter ça en 10 minutes entre deux pubs. Hein, c'est ça. Oui, on va traiter ça en 10 minutes entre deux pubs. Ben, ceux qui n'ont pas le niveau pour suivre ça d'une manière suivie, ben, soit ils font pause là et puis ils reprennent plus tard. Hein, c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas faire non plus, des fois. Mais enfin, bon, chacun sa vie. Finalement, eux ils veulent continuer derrière un diesel, ben moi non. Non, moi non, je veux être guéri, je veux que tout le monde soit guéri, je veux que la planète retrouve un cours normal de son évolution, de sa destinée galactique. Hein. Et donc il y avait cette interaction entre les francs-maçons, l'armée et cette utilisation de yogis particuliers. Pour pouvoir manipuler ces technologies qui débordaient vraiment l'entendement humain. Et donc Eisenhower, dans sa rencontre avec les E.T., il me semble qu'une fois il avait refusé, puis après il y a été, il était confronté à une telle supériorité. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont dit, les autres, du style
Qu'est-ce que tu préfères, qu'on vous nique toute la planète, là, ou bien vous nous donnez l'autorisation de nous servir en personnel et en ADN sur Terre? C'est pour ça que je pense que les frontières dans lesquelles nous vivons ne sont pas les mêmes qui sont réelles dans l'exopolitique, la géopolitique réelle planétaire, en échange de quelques petites technologies. Hein, voilà. Et lui, il a dit, ben, quitte à tout perdre, autant qu'on gagne au moins quelques petites technologies, pardon, qui vont nous permettre de maintenir une avancée économique, militaire, vis-à-vis de nos ennemis, les Russes, les Chinois, les autres, n'importe quoi, comme dans Big Brother 1984. Les nations sont en guerre, de toute façon, comme ça, le peuple est soumis à un état de crise et il supporte le fait de devoir se raser pendant 15 jours avec la même lame de rasoir. Ils doivent réaffûter, sans pyramide. Ouais, ils n'en parlent pas dans 1984, en tout cas. D'ailleurs, presque personne ne connaît ça, d'ailleurs. Et d'ailleurs, moi non plus, les lames de rasoir, je ne connais pas. On va reprendre, si vous m'avez suivi. Hein, je ne me suis pas perdu, hein, pas trop. Hein, je suis assez content. Bon, donc on reprend. Ensuite, il lui a dit que Warden et Perry, qui lui ont parlé donc d'un groupe spécial, n'appartenant pas au programme habituel d'accès spécial, enfin, avec une qualification accès spécial, c'est-à-dire que c'est encore dans les cotations, dans les secrets défense. Vous savez, vous avez secret, top secret, secret cosmique, et vous avez ce qu'ils appellent des clearances en Amérique, et nous, on appelle ça je vais mettre pause, il faut que je trouve le mot, là. Je n'ai pas trouvé. Des niveaux de secret défense, on va dire. Et donc, oui, effectivement, là, il nous parle de cette division de ces programmes hyper secrets de chez hyper secrets, qui sont donc les programmes non reconnus. Ça n'existe pas, vous dites n'importe quoi, vous fumez la moquette, circulez, il n'y a rien à boire. Donc, SAP, ça voulait dire justement ça, Special Access Program, qu'avait organisé Perry en 1994. Richard Dolan nous met en évidence que c'est un point significant, là, qu'il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre qu'il y a des choses qu'on ne vous dira pas, même si vous avez le niveau sécurité-défense le plus élevé. Et si vous cherchez dessus, ça n'existe pas, monsieur. On vous dit que ça n'existe pas, ce n'est pas la peine de chercher, ça n'existe pas. Voilà. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Mais vous, vous commencez à voir. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles les présidents n'ont pas le niveau de secret défense les plus hauts en général. À part s'ils viennent déjà d'être directeurs de la CIA, comme Bush, par exemple. Mais Obama, il ne devait pas l'avoir, ce niveau-là, vous voyez. Le fils Bush, pas forcément non plus. Et Trump ? Ah, Trump, je ne sais pas. Je ne sais pas quel niveau il a. Il doit avoir un peu plus qu'eux. Et puis, s'il nous dit, nous allons créer une force, une navy spatiale, cosmique, il doit avoir un certain niveau quand même. Parce que là, il ne va pas la créer, elle existe déjà. Donc, hein, c'est bien clair qu'elle existe déjà. Alors, soit elle existe déjà et elle n'est pas de son côté, donc il lui faut des fonds pour en financer une qui puisse être de son côté pour lutter contre l'autre. Ce qui va faire encore des luttes du deep state, mais en high altitude, ou autre chose, quoi. Ou autre chose. C'est juste le moyen d'amener au public le fait qu'effectivement, bientôt, ils vont pouvoir voir des ovnis qui circulent avec marqué USA. En disant, nous sommes les plus beaux, les plus forts. Alors que c'est Poutine qui, l'an dernier, hein, ou il y a 2 ans, il faudrait voir la vidéo de Jean-Pierre Petit à ce propos, les armes de Poutine, là. Il a dit, on a déjà des armes qui volent à Mach 20. Mach 20. Et c'est une bombe atomique qui vole à cette hauteur. Ah ouais, non, nous, diesel. Embouteillage, diesel. Métro, boulot, dodo,
foutage de gueule télévisé, élections truquées, intelligence artificielle, les élections par machine, même sans machine, avec une intelligence artificielle. De toute façon, ce qui compte, c'est celui qui décompte les voix, comme on disait. Quand j'étais petit, je pensais qu'une fois que je serais grand, je serais grand. Et bien là, je me rends compte que même en étant grand, on reste des tout petits, quoi. Mais considérés comme des enfants. Et là, c'est vexant. Vous ne trouvez pas ça vexant? Il n'y a pas des gens là en cravaté qui par hasard tomberaient sur cette vidéo et qui disent « Mais c'est pas ce putain de barbu là, pardon, excusez-moi, ce barbu hirsute qui va m'apprendre des trucs. » Je sais tout, je suis PDG. J'ai une Porsche, une Rolls, un yacht. Et si, et ça, et ça, et si. Je connais Epstein, j'ai fréquenté son île. Non, ça, il ne faut pas. Ça, c'est un mauvais plan. D'ailleurs, il semblerait que Trump l'a fréquenté, lui, là, Epstein. Et que ça va très, très mal tourner pour plein de monde, là. Même Trump. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Ça va très, très mal tourner pour énormément de gens parce qu'il semblerait que... En fait, ils touchent tous à ce genre d'horreur pédo-machin. Ils touchent tous. À un certain niveau de finance, vous êtes dans le bain. Vous ne pouvez pas accéder à ce niveau-là sans avoir mis les mains dans l'engrenage. Ça vous donne encore envie d'être millionnaire ? Sur le dos du reste de la planète ? Ils nous considèrent comme quoi, ces gens-là ? Alors, messieurs, dames en cravate, là, vous êtes considérés comme pas beaucoup mieux que moi, hein, même si vous avez toutes vos dents. Et même si elles ne sont pas fausses, hein, parce que la majorité d'entre vous ont des fausses dents. Bon, on va reprendre. J'étais dans les encarts des encarts. Je me suis écarté. Vous comprenez mieux pourquoi je rigole sans arrêt. C'est de désespoir que je rigole. C'est de pitié pour nous. Moi-même y compris, évidemment. En premier lieu. Même pas en premier lieu, d'ailleurs. Bon. J'ai fini par me détacher, maintenant. Quelque part, j'en ai plus rien à foutre. De toute façon, ils m'auront pas. Vous non plus. Ils vous auront pas. Maintenant, ils vous auront plus. Ils vous auront moins facilement. Puis si ça se trouve, effectivement, on va vraiment en parler aux infos bientôt. Bon, je crois qu'ils vont changer le personnel journalistique dans toutes les chaînes de télévision, là. Non seulement parce que ces gens-là pourront plus sortir d'ici peu de temps dans la rue, et d'autre part, parce que ces gens-là vont s'auto-suicider rapidement, hein, ou déprimer, ou tomber dans je ne sais pas quoi, par choc psychologique entre ce qu'ils croyaient être la vie et ce qu'elle est vraiment, ou enfin ce qu'elle pourrait être vraiment. Même ceux qui participent au Club du siècle et tout ça, mais c'est que des pantins. Ils ont pas le niveau. Ça se voit tout de suite. Ils n'ont pas le niveau. Ces gens-là ne communiquent plus avec nous. Est-ce que vous communiquez avec les fourmis? Ils se considèrent comme ça. Et quasiment, pour certains, ils sont à ce niveau-là de différence de société, de mentalité, de possibilité, de pouvoir. Non, l'humanité, normalement, elle devait avoir un bel avenir. Elle pourrait encore peut-être, j'ai un doute, mais on ne sait jamais. Peut-être que si je m'étais rasé avec une cravate et que je faisais des vidéos très propres avec des petits jingles très modernes, tout ça, un joli travail peaufiné, j'aurais un grand public et je toucherais des gens qui diraient « Mais oui, ce qu'il dit, finalement. » C'est bizarre de la part d'un gueux. Ah, il s'avère que je ne suis pas un gueux en plus. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc, on parle là maintenant des programmes spéciaux noirs, des Black Project, qui de manière ignoble sont complètement en dehors des vues du Congrès. Donc le Congrès aux États-Unis, le Sénat en France, tout ça. Hein. Aucune vue. De toute façon, c'est des blaireaux.
Et dans cet environnement, beaucoup des programmes dépassent absolument la possibilité d'accès, non seulement du Congrès, mais aussi des forces armées elles-mêmes. Il semblerait qu'elles soient dominées par des contracteurs privés, très souvent placés au-dessus des départements de la défense. Et là, donc, nous avons Wilson qui dit à Davis qu'il avait appris que ces crashs d'OVNI et les programmes de récupération des crashs et donc de rétro-ingénierie avaient été enterrés, des vues du public en tout cas, grâce à des qualifications administratives de secret défense qui sont là pour tout camoufler. Et donc, dans lesquels il y a même des trucs qui n'existent pas, mais qui sont en place. Donc, à ce propos, il faut regarder Paul Kaminski, encore trillions de dollars manquant dans les comptes. Ben, peut-être que là, il y en a un petit bout. Mais à ce niveau-là, moi, je pense que les trillions, c'est même plus rien du tout, quoi. Quand on fait des voyages interstellaires, donc a priori peut-être même des commerces interstellaires, parce qu'il semblerait qu'il y ait un commerce, même les ETI font du commerce avec des échanges. Ben, ce n'est pas des ETI très évolués mentalement, mais technologiquement, oui, a priori, ils ont le matos, quoi. Il me semblait qu'ils avaient dit à une époque qu'il y avait des astéroïdes constitués soit d'or, soit de diamants. Un astéroïde de diamant. Quand un truc qui est gros comme une tête d'allumette coûte déjà, je ne sais même pas combien, 20 000 euros, je n'ai aucune idée, alors vraiment aucune idée. Un diamant de la couronne de la reine, de la reine. Olé. Hein? Mais un astéroïde. Un astéroïde, c'est immense, quoi. Je veux dire, ça peut faire 20 km de long ou de diamètre. Un diamant de 20 km de diamètre. Combien ça vaut, d'après vous? C'est des trillions de dollars ou quoi? Je crois qu'on n'a pas assez de zéro en tête là pour imaginer. Et puis là, on parle d'un astéroïde. Bon, je pense que s'arrêter au commerce pour évoluer, c'est un peu limité. À mon avis, c'est un peu limité. Et puis les IT qui s'y arrêtent aussi, bon, ben, ils sont au moins déjà à ce niveau-là, mais bon, c'est aussi limité, quoi. Ah, je pense que la richesse est ailleurs. Mais bon. Je vais faire Diogène bientôt pour parler philosophie. Donc, on parle de Juliette Daly, qui était assistante du député de l'OUSAP, là, technologie, acquisition et recherche des technologies. Donc, en dehors de ça, Wilson lui a dit qu'il avait trouvé des dossiers à propos de ces groupes non reconnus. Le budget semblait très élevé, mais c'était peut-être juste une manière de donner une échelle des choses. Je traduis en gros, là. Et donc, il lui a dit, regardons plutôt dans quel domaine des départements secrets est-ce que tu as trouvé ça. Et dans le dossier, ça sera donc ce bout-là du courrier, enfin, ou du dossier. Donc, dans quelle partie des départements SAP, donc de Special Access Programme, est-ce que tu as trouvé ça? On lui répond, secret complet. On ne peut pas le dire. Il y a un nom de code, pareil, on ne peut pas le dire. C'est encore plus secret. Ah, je ne l'ai pas pris en bonne définition. Ben, comme je l'ai en vrai, excusez-moi. Bon, à toutes les questions qu'il pose, de toute façon, on lui dit secret total, on ne peut pas le dire. Un département de la Défense, oui. Un d'entre eux, un département des services secrets, dans ces corporations, sûrement. Possible d'en savoir plus? Désolé, non. Et puis maintenant, on arrive au top niveau des informations de cette relation épistolaire.
ou en tout cas de leur briefing. Et donc, c'est la page suivante dans le dossier. Donc, il lui a dit qu'il avait fait plusieurs appels à la fin de mai 97 à Paul, Mike et à Perry pour confirmer qu'il était face au contracteur réel, au bon programmeur, au réel contracteur et à celui qui manageait ces programmes. Est-ce qu'ils ont confirmé? Oui. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Je lui ai dit que j'avais lu ses programmes dans le AOS DAT acquisition et technologie là, et que je voulais en savoir plus à propos de leur programme de récupération des ovnis crachés, quel était leur rôle là-dedans, qu'est-ce qu'ils avaient, etc. J'ai aussi demandé si quel rapport ils avaient avec le MJ-12 ou de telles organisations à propos de ces ovnis crachés et récupérés, et quelle a été la réaction au téléphone. Oui, ils m'ont demandé à qui j'avais parlé avant que de les appeler eux, et ils n'étaient pas très contents avec cette réponse, parce que vous avez parlé de Perry, Paul. Oh non, j'ai jamais dit que j'avais parlé à ces gens-là. Avec qui d'autre avez-vous parlé? J'ai parlé aux autres managers de ces programmes que j'ai appelés, mais tu ne m'as pas mentionné ça avant. J'ai rien dit. Qui était-il? Ben, c'était trois programmes qui ont dit qu'ils n'étaient pas ce que ou qui je cherchais. Quatre programmes qui m'ont référé au passé. Non, au présent, pardon. En clair, donc là, je vais réécouter Richard parce qu'il explique un petit peu. Donc, en clair, il appelle au téléphone des gens qu'il ne connaît pas et à qui il fait mention du fait de ce qu'il a lu, quelque part, et il leur demande s'ils connaissent le MJ-12. Et vous avez le responsable du service de renseignement qui essaie de renseigner de se renseigner à propos d'un programme de récupération d'OVNI en contactant une compagnie privée qui semblait être responsable de ce domaine. Donc, il leur dit qu'il fait ça en son nom, en tant que député directeur du département de l'intelligence et de l'assistant du Joint Chief of Staff du J2. Ben, il y a MJ-12 et il y a aussi J1, J2, J3, J4. Et M, c'est pour Majestic, me semble-t-il, ou peut-être Mystique, en fait. Donc, vous avez les J1, J2, J9 jusqu'à J, je ne sais pas combien. Mais le MJ-12, c'est une autre classification encore au-dessus, a priori. Pourtant, on les connaissait tous, on en a même une photo. Mais bon, raison pour laquelle elle a tellement été déniée, hein, comme étant un bobard. Donc, on lui répond qu'ils ont besoin d'en parler et puis qu'ils vont le rappeler. Rendez-vous bien compte, hein, c'est comme là, si venait chez moi le ministre de la Défense ou le Premier ministre ou même le Président, hein, il peut venir, hein, j'ai de la place à la cave, dans le saloir, et qu'ils me disent « Vous allez m'expliquer ce que vous avez dans votre bibliothèque, là ?» Et je le regarde comme ça, j'ai dit « Je vais en parler avec les gens que ça concerne et puis on vous tiendra au courant. » Ah, et il ne bronche pas, hein. Et il ne bronche pas l'autre. Hein. Parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Il se rend compte qu'il ne maîtrise rien du tout. Quoi. Il ne maîtrise rien du tout. Bon, là, j'exagère un peu puisque je ne suis pas dans les projets inconnus et non acceptés, non admis comme étant existants. Mais voilà, quoi. C'est un exemple, hein, que je vous ai fait là. Voilà la situation.
Et donc, 10 jours plus tard, il y a eu quand même donc un meeting avec ces gens-là, au milieu juin 1997, dans une salle de conférence, dans une base secrète. J'étais donc en train de bugger encore. Donc, il a rencontré 3 personnes. Il y avait un directeur de la sécurité de la NSA, un directeur de programme, un avocat des corporations, et ils s'appelaient eux-mêmes le comité de surveillance ou les gatekeepers. Gatekeepers, c'est ceux qui tiennent la porte. C'est-à-dire, ils laissent passer ce qu'ils veulent. Alors, quand ils demandent pourquoi ils s'appellent les gatekeepers, il lui est répondu qu'ils ont formé ce comité par nécessité pour se protéger après un presque désastre qui s'était déroulé dernièrement et dans le passé et qui avait quasiment failli annuler leur couverture. Quelque chose qui avait un rapport avec des gens du Pentagone qui avaient des vues sur les Special Access Programs en ces temps. Et on lui demande qu'est-ce que c'était. Laisse-moi finir, lui répond-il. On lui a répondu qu'il y a des années de ça, il y avait déjà eu des tentatives d'investigation et qui ont été refusées. Il y a eu une bagarre entre eux et les investigateurs et le chef du Pentagone, comme une bagarre entre clans de gangs à propos de la transparence sur les programmes. Ils lui ont dit que la raison en était l'argent et qu'ils se cachaient à cause d'autres raisons. Enfin, pour faire leur petit business, ils travaillaient très très dur pour garder tout ça secret. Est-ce qu'on lui a montré un vaisseau ou du matériel qu'on lui a dit qui était de provenance alien ou d'un ovni? Il ne m'en a pas dit plus que ça à ce propos. Donc, par la suite, ils ont eu un accord avec le Pentagone de façon à ce que ce genre d'affrontement ne se reproduise pas. Le SAPOC, c'est donc cet agrément qui avait certains critères spéciaux qui ont été établis dans cet agrément. Qui interdisait l'accès à ces données à énormément de gens, à moins qu'ils ne soient autorisés par un comité précis, donc un directeur de programme, l'avocat, le directeur de la sécurité, quel que soit leur position. Et c'était soit on fait comme on vous a dit, soit vous sortez. Ah, moi, si j'ai un sabre laser, c'est ça, tu vois. Ou comme l'histoire du Buseggui, si le gars, mentalement, quand il vous regarde comme ça, d'un coup, vous ne savez même plus parler, c'est un peu la même situation, effectivement. Vous dites, OK, là, je ne peux plus rien faire, quoi. Je ne peux plus rien faire. Je n'ai pas le niveau. On lui a dit quels étaient les critères d'acceptation. J'ai demandé ça et ils ont refusé de me répondre. Ils travaillaient sans surveillance officielle ou une justification quelconque. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Et puis, personne ne devait se mêler de leurs affaires. Et c'était une position politiquement très difficile à tenir. Pour lui, de poser les questions, et pour eux, de vivre ça, a priori. C'est bien ça.
vous acceptez nos conditions parce que vos règles et vos lois, on n'en a rien à fiche. On se rappelle que c'est Wilson qui parle là. Wilson, cette personne qui avait déjà un poste si important et si puissant au sein de l'organisation militaire américaine. Donc, le gouvernement américain n'avait aucun droit de regard. Mais écoutez, ça correspond à peu près au discours qu'a fait Eisenhower et JFK aussi, en disant que les complexes militaro-industriels débordaient l'autorité était au-delà des lois, hein, en clair, ils étaient au-delà des lois. C'est la partie militaire de la breakaway civilization, quelque part, si j'ai bien compris. Donc, en fait, toutes les questions qu'il posait, on lui répondait si on voulait, et on ne lui a pas répondu grand-chose, en fait. Donc, le meeting qu'ils ont eu avec lui, c'était pour lui dire qu'il ne correspondait pas aux critères, qu'il n'avait pas le niveau suffisant. Donc, même si officiellement Wilson, légalement dans l'administration américaine et leurs lois, aurait eu le droit de savoir ça, là, chez eux, ça ne servait à rien. Il n'avait pas le need to know. Il n'avait pas les raisons de savoir suffisantes pour qu'on lui en dise plus. Et donc, ils ont sorti une liste qui datait de 1993, 4 ans donc avant le meeting. Il demande s'il y avait des politiciens sur cette liste, non. S'il y avait des noms de personnes de la Maison Blanche, non. Pas de président non plus. Pas de personnes appartenant au Congrès, d'une manière générale. Des gens de l'administration Clinton ou Bush senior, non. Mais pas mal de noms appartenaient au Pentagone. Certains d'entre eux à l'OUS DAT. D'autres départements, d'autres du NSC, qui est une division du Pentagone. Le manager des programmes lui a dit qu'il n'y avait pas de programme particulier d'armement, qu'il n'y avait pas de programme particulier de service de renseignement, pas d'opérations spéciales ou de programmes logistiques, et qui ne correspondait à aucune de ces catégories. Il a donc demandé qui était-il donc, et il a reçu un grognement de la part du manager des programmes. Le directeur de la sécurité et l'avocat lui ont dit que c'était OK de lui dire. Lui dire quoi? Qu'il y avait un programme de rétro-ingénierie, que des choses avaient été récupérées des années en arrière dans le passé, donc, que du matériel technologique avait été récupéré. Donc, je pensais qu'il parlait de matériel russe, enfin soviétique ou chinois, tels que des missiles ou des plateformes de renseignement ou des vaisseaux. Et il pensait que les ovnis étaient utilisés pour couvrir tout ça. Et il leur a dit ça, et ils ont répondu que non, ce n'était pas ça non plus. À condition qu'ils ne mentent pas, on va continuer à les écouter. Donc, sur cette liste de personnel autorisé, il y avait quelques personnes du Pentagone. Et le reste, c'était du personnel privé. Donc, ils ont admis qu'ils avaient, ils avaient récupéré un vaisseau entier et qu'ils pensaient qu'il pourrait voler. Donc, ils se demandent dans l'espace, dans l'air, dans l'eau, par,
transdimensionnel. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le vaisseau était intact et qu'a priori, ils n'avaient pas encore compris comment le faire voler. Je vous dis, il faut des capacités un peu supérieures à celles qu'on a réussi à développer avec le mode de vie qu'on mène et notre éducation et nos entraînements de infantiles, on va dire. Pour être sympa. Ils ne savaient pas non plus d'où ils provenaient. Mais ce qui est sûr, c'était que c'était une technologie qui n'était pas terrestre, terrienne. Une technologie qui n'avait pas été faite de main d'homme, pas faite par les hommes, pas faite de la main humaine. Moi, je fais un petit encart. Là, dans les bouquins de Lou Baldwin, il parle à un moment donné, justement, de certains scientifiques qui sont confrontés à des objets qui auraient été récupérés, parce que Lou Baldwin, B-A-L-D-I-N, Lou Baldwin est considéré comme un fanfreluche par beaucoup de gens. Il n'amène pas de preuves et puis finalement, quand on lui pose trop de questions, il préfère passer pour un fanfreluche plutôt que de répondre. Ce qui est intéressant. Hein. Je ne réponds pas aux enfants. Quoi. Et donc, dans ces technologies-là, les scientifiques étaient confrontés à des objets qui ne savaient pas comment ils marchaient. Donc, ils les avaient sortis du vaisseau, ils les avaient amenés dans le laboratoire, ils l'étudiaient, l'objet, et puis, au bout d'un certain temps, l'objet, il disparaissait du laboratoire. Et ils le retrouvaient dans le vaisseau. Alors, il y avait des objets terribles. Hein. Il y avait un objet, quand vous étiez confronté dessus, il vous rentrait dans le corps. Il y a eu des morts, hein. Il y a eu une disparition de scientifiques, il y a eu des morts, il y a des scientifiques qui n'ont pas tenu le choc, qui sont suicidés, qui sont partis en dépression, en folie, d'après Lou Baldwin, tout ça. Hein. Mais donc là, ça commence à tenir l'eau, les déclarations de Lou Baldwin là, dans ses bouquins, que j'ai lus. Enfin, j'en ai lu un petit peu. Et il y a des descriptions de ces objets, là. Ça fait un peu flipper, hein. Ça fait un peu flipper. Il y a moyen de ressusciter un mort et de se servir de son corps pour l'intégrer comme un avatar. De quoi je me rappelle encore. Il y a, il faut les lire. Je crois qu'il y en a pas beaucoup en français. Hein. Si on avait le temps, là, un jour, je vous ferai une série de vidéos de traduction d'un des livres. Mais bon, je les ai déjà lus, j'aime pas répéter les trucs. Surtout gratuitement. Alors, hein, on te voit venir, Pam. Non, le problème, c'est qu'en plus, si c'est pas de mon plein gré comme ça, si je suis payé, après, j'ai une certaine éthique, donc je vais devoir vraiment faire une belle traduction, quoi. Et là, il y a des fois où je n'ai pas forcément tout à fait le niveau. Hein. Si vous constatez, de temps en temps, je comprends ce que ça veut dire et donc je traduis en diagonale, on va dire. Mais il y a des fois... Ouais, c'est très proche du français, l'anglais, mais bon, malgré tout. Heureusement que ce n'est pas écrit en cyrillique, en arabe ou en chinois, parce que alors là, vraiment, j'y peux rien du tout. Hein. Bon, on va reprendre. Il lui a dit aussi que ça fait des années et des années qu'ils avançaient vraiment à pas de fourmi dans les progrès, dans la compréhension de tout ce matériel-là. C'est terrible. Hein. Je ne comprends pas qu'ils ne se servent pas de remote viewer pour savoir à quoi ça sert, ou de médium intuitif, ou de communication directe avec un des ET qu'ils ont récupéré. Vivant, parce que je crois qu'il y en avait aussi quelques-uns. Il y a en tout cas EB1 et EB2 qui ont vécu un certain nombre d'années, avec lesquels Clifford Stone avait eu des contacts, et aussi l'infirmière de Roswell, là, qui a donné lieu à quelques livres et quelques vidéos en français d'ailleurs. Donc on peut réécouter ces vidéos-là en se disant, ah ben tiens, il y a des choses à prendre là-dedans.
Mais enfin, bon, malgré tout ça, ils n'ont pas fait beaucoup de progrès durant des années. Ils se sont plaints du manque de coopération possible avec la communauté extérieure. Mais tu m'étonnes, de toute façon, ils sont experts, pourtant. Mais ils veulent tout prendre et rien donner. Alors. En plus, avec tous ces besoins de secrets et de... Bah parce que les gars, les scientifiques qui bossaient là, ils n'avaient pas de vie, quoi, en fait. Hein. Ils étaient suivis constamment, 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 pistés, fliqués par les services secrets. Eux-mêmes, de leur propre pays. Hein, vous donnez le meilleur de vous-même et on ne vous fait aucune confiance, quoi. Vous voyez le genre, ça vous met dans une ambiance incroyable. Et je suis bonheur que les gars, ils continuent de bosser là-dedans. Un, parce que Pépette, oui, là, ils ont dû toucher bien. Mais aussi parce que s'ils veulent conserver leur famille, leurs parents, hein, ils ont intérêt à obéir. C'est-à-dire que c'est en plus des mœurs de sauvages. Quoi. Ouais. Dans ce cas-là, moi non plus, je ne coopère pas. Même si je comprends à quoi ça sert, l'objet, là, je m'en sers contre eux. Paf ! Maintenant que j'ai compris à quoi sert l'objet, là, tu me lâches la grappe, toi. Ouais, ils trouveront bien un moyen de m'empêcher d'avoir cette réaction-là, peut-être, vous voyez. Mais je dis moi, pourquoi moi ? Pour vous donner un exemple. Pour vous donner un exemple. Moi, je ne sais pas faire grand-chose. Je touche à tout, mais je ne suis pas un spécialiste. Normalement. Donc, il a posé d'autres questions à propos de Roswell, à propos du MJ-12, et on ne lui répond pas. Donc, Wilson s'énerve, il dit « Attendez, hein, je vais me plaindre à la direction, quelque part. » Et on lui répond « Vas-y, fais seulement, fais ce que tu penses pouvoir être fait. Amuse-toi, mon petit. Il est hyper général, amiral de chez… Hein. Il a des milliers d'hommes sous sa commande. Il pourrait changer la face du monde s'il veut. Et il dit je m'en. Vas-y, fais ce que tu veux. On peut être ridicule dans nos prétentions, des fois, c'est flagrant, quoi. Donc, franchement, ça ne les a pas impressionnés. Et a priori, ça a plus ou moins mis fin au meeting. Donc, Wilson est allé se plaindre à la direction, au SAPOC. Donc, c'est le Special Access Program Oversight Committee. Le bureau qui supervise le Special Access Program. En plus, ils lui ont dit, si tu ne te plies pas à nos exigences, tu vas perdre ta retraite, tu vas même perdre des étoiles. Donc, en plus, a priori, ils sont hors de tout le jeu et ils ont la main sur tout le jeu. Le jeu politique, le jeu officiel, le jeu gouvernemental. Donc, c'est encore un argument de plus pour me faire penser qu'ils sont une partie d'une breakaway civilization. Et pourquoi je dis une partie d'une partie ? Eh bien, parce que ça ne concerne finalement que le domaine technologique. Mais quand on est confronté à ce genre de civilisation avancée, pas la breakaway civilization, hein, les IT, quand on est confronté aux IT, y a tous les domaines dans lesquels peuvent exister encore ces systèmes de dirigeants hors normes, en médecine, en spiritualité, non pas en spiritualité, en psychisme, en... Je ne sais pas, par rapport à nous, en agriculture, en économie, en chasse-pêche, en éducation, c'est autant de départements d'une civilisation, département d'une civilisation. Vous voyez ce que je veux dire ? Domaine d'élaboration, domaine de progression, domaine de connaissance d'une civilisation. Et là, on ne parle que de la technologie et encore pour les vaisseaux spatiaux. Bon, là, en fait, voilà. La technologie que pour les vaisseaux spatiaux et il pourrait y avoir des technologies pour tout. La médecine, l'agriculture,
le voyage spatial, le voyage interstellaire, la diplomatie. Ouais, la diplomatie, je peux vous dire que le gars, il doit parler des langues. Hein. D'un autre côté, je pense qu'il ne parle plus de langue à ce niveau-là. Il parle en concept télépathique et ça doit être un peu différent. Il n'y a plus besoin de parler de langue, hein, parce que quelle que soit la langue qu'on parle, l'idée, c'est l'idée. Ce qu'il faut, c'est être capable de comprendre l'idée, quoi. Et puis après, de la maîtriser et puis de jongler avec. Ouais, c'est vraiment comme un enfant qui connaît ses tableaux de multiplication et qu'on met en maths sup, quoi. Il regarde le tableau, il dit « C'est quoi cette peinture ?» C'est de l'art moderne. C'est très joli des fois. Enfin, mais il n'arrive pas à lire le tableau, quoi. Pourtant, il s'y connaît en maths, il connaît ses tables de multiplication quand même, même par cœur. Il était premier de la classe, il est amiral. Alors, à ce niveau-là, c'est rien du tout, quoi. Enfin, c'est mon interprétation. Donc, Wilson n'est pas si con, il remarque quand même qu'il a commencé à gueuler au moment où il aurait dû commencer à fermer sa gueule, en fait. Il communique avec le général Gansler, qui est mort récemment, en 2018. Voici un petit article funéraire dans le Washington Post. Donc, c'est Jack Singleton Gansler, qui est donc mort en décembre, le 4 décembre 2018. Il venait d'avoir été mis en charge, justement du département d'acquisition et de technologie. Et Wilson dit à Davis pendant le briefing que Gensler avait été mis au courant par quelqu'un, mais il ne savait pas qui. Et quand il lui dit « Qu'est-ce que t'as dit, Gensler ?» Et Gensler lui aurait dit que les ovnis sont réels, mais les soi-disant abductions aliens ne sont pas réelles. Donc, il y a des abductions, mais pas par les aliens, a priori. Si je ne veux pas perdre toute ma construction mentale, c'est la solution à laquelle je pense là tout de suite. Ce n'est pas des aliens qui nous abductent. Raison pour laquelle il y a souvent des militaires avec les gris, quoi. Si on se réfère là à notre Italien... Ah, ben, je ne sais plus où j'en étais dans ma réflexion, là, parce que je me suis perdu à chercher le livre de cette spécialiste de l'hypnose italienne là, qui était revenue sur justement ces déclarations d'avant. Alors, je ne sais plus où j'en étais, donc je m'excuse. C'est un encart qui s'est perdu dans le désert, dans le cosmos. Et donc, Gensler lui dit « Bon, ben, ça suffit maintenant. » Change de conversation, on parle d'autre chose. Donc, Richard Dolan nous continue en nous disant que ce que ça indique, en tout cas, c'est qu'il y a vraiment des programmes hautement classifiés, hautement secrets, au sein du labyrinthe des structures secrètes du Pentagone, mais qu'ils ont au moins étudié au moins un ovni alien et qu'ils ont eu du mal et qu'ils n'ont pas fait beaucoup de progrès. Enfin, qu'à l'époque, ils n'avaient pas fait beaucoup de progrès. Dans l'étude. Et donc là, me conforte dans la version Lou Balden. Il n'y a pas de mention de récupération de corps d'alien dans ces notes. Pourtant, ces notions de récupération de corps alien proviennent de sources très sûres. Mais bon, ce qu'on vient de voir, c'est un aspect, un petit aspect d'un programme très très important. Dans l'étude des technologies aliens, ce qui est intéressant de constater, c'est que les progrès dans l'analyse et l'étude de ces technologies aliens ont été péniblement lents. Vis-à-vis du programme de rétro-ingénierie des véhicules aliens, ça pose des questions. Par contre, ça va nous ramener les histoires nazies, ça, je pense, avec des technologies humaines de l'époque. Quand je dis technologies humaines, avec des humains qui avaient communiqué avec des ET pour avoir les idées. Tesla avait ses idées dans la nuit en communiquant. C'était pas le seul. Le pote à Von Braun aussi. Richard Dolan ne pense pas que ce document réfute
l'hypothèse des abductions aliens. C'est pas parce qu'un officiel dit ça que c'est réel. Ce qu'on sait, c'est que ça a été dit à Wilson par quelqu'un qui avait été briefé. Mais ça ne veut pas dire que ce soit vrai. Il sous-entend, il a été briefé par quelqu'un, hein, mais on lui a peut-être dit une connerie. Ou si ce n'est pas une connerie, la personne en question n'avait peut-être pas le droit de savoir ou le besoin de savoir suffisant pour en savoir plus à ce niveau-là. Maintenant, en encart, je vais vous dire que j'ai aussi une version de Ed Dems qui dit qu'il y a des transcendantales, je ne les appelle pas des ETs. Il dit que les abductions, elles ont eu lieu différemment. Les gens n'ont pas bougé. C'est des choses qui sont passées dans leur tête, qui sont passées vraiment dans leur tête. Il y a eu vraiment des crashs, il y a eu vraiment des récupérations, mais après, les transcendantaux interviennent et remontent dans le temps et enlèvent l'événement. Ce qui fait que vous ne mentez pas quand vous dites que vous avez vu un crash. Par contre, si vous allez sur le lieu du crash, il n'y a aucune trace parce que les transcendantaux sont remontés à… Ils ont évité l'événement, que l'événement se produise postérieurement à l'événement. C'est pour nous faciliter le boulot. Ed Dems, c'est un spécialiste du remote view et qui a bossé 40 ans pour la NSA, CIA, les Rothschild, des richissimes personnes qui ont besoin de renseignements particuliers pour leur sécurité ou pour d'autres choses. Le remote view sert à énormément d'entreprises économiques privées en ce moment, pas qu'aux militaires. Il y a des mineurs, des compagnies minières qui se demandent si ça vaut le coup de plonger là ou là ou là ou… Dans les finances, ils se demandent sur quoi ils vont investir. Enfin, ça sert à énormément de choses. Donc, je vous résume la fin de la dernière page, la page 15. Par la suite, tout le monde a gardé ça personnel, pour des recherches personnelles et privées. On a conseillé à tout le monde de se taire, etc., etc. C'est risqué. En l'occurrence, à l'époque, ils ne connaissaient pas Ingo Swann, Axel Rhode ou d'autres remote viewers. Donc, il leur manquait la possibilité d'avoir des confirmations. Justement, comme je vous le disais, là, c'est bizarre qu'il n'ait pas fait. Ben, ils n'étaient pas tellement au jus. Hein. Comme quoi, même dans ces domaines-là, ils sont encore compartimentés. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Enfin, en tout cas, chacun s'occupe de ce dont il s'occupe et pas du reste. Vu la dimension de la chose, je comprends que ça suffise à remplir leur journée de travail et qu'ils ne peuvent pas se permettre de travailler sur les énergies, la bioénergie, le remote view ou autre chose, hein, la permaculture. Mais bon. Donc, Richard Dolan nous dit que même si la communauté ufologique sérieuse la plus éveillée et polyvalente est toujours en alerte. Elle est assez peu nombreuse, mais par contre, elle ne va pas manquer de plucher et d'éplucher ce document dans tous les sens. Eh ben oui, effectivement, ça se comprend. La question, c'est de quelle manière est-ce que ça va affecter notre culture actuelle? Pour l'instant, nous nous déplaçons dans une direction très définie qui passera par une sorte de révélations à propos des ovnis, TTSA, mais c'est absolument une disclosure contrôlée, une révélation au goutte à goutte tenue par tous les tenants, ben déjà la société d'au-dessus, et puis après, donc, il y a toute la hiérarchie du Pentagone qui va mettre son grain de sel, c'est holà, et puis on ne va pas se gêner pour continuer à nous garder dans le brouillard et à mettre de la désinfo là-dedans aussi. Ça a été tellement contrôlé jusqu'à présent qu'il n'y a pas de raison que ça change vraiment du tout au tout. D'un autre côté, ce document est sorti. Il est sorti, il est sur Internet. Ben, quand on a ce niveau de contrôle, on tient Internet. Hein. Il paraît que hier, il y a eu une panne générale française du téléphone, de la téléphonie et d'Internet.
Je pensais qu'il y avait qu'ici, dans ma région, qu'il y avait eu ça, entre vendredi et samedi. Toute la journée de vendredi, enfin le vendredi matin jusqu'au samedi midi. Il me semblait. J'ai pensé que c'était à des buts politiques. Vous savez, ici en France, il se passe deux, trois trucs. Donc, quand les gens ne peuvent pas entrer en contact les uns avec les autres, ça arrange certaines enflures. Par contre, en reprenant le sujet, ça pourrait leur permettre de donner certaines orientations à ce phénomène. Ce cover-up sur l'ufologie a déjà influencé la manière dont on regarde le sujet. Le sujet est fait passer pour très mystérieux. Bon, il l'est. Même les spécialistes ont un mal de chien à essayer de comprendre quelque chose. Donc, il y a un côté de mystère au niveau technologique, en tout cas. Mais sinon, au niveau des faits, non, il n'y a pas tellement de mystère. Il y a une activité extérieure, peut-être terrienne, en fait, hein, on ne sait pas vraiment. Ça les arrange bien de créer des fictions autour du sujet. Et c'est possible que ces fictions aient un but. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de cause à ça, mais il dit que néanmoins, ça reste une fiction sur certains sujets. Et que le problème, c'est que ces notes foutent toute cette fiction en l'air. Là, on a assisté à une vraie fuite de secrets. Pas de surveillance, pas de contrôle sur ces entreprises. Des militaires, des officiels qui sont pas d'accord, hein, qui sont en colère, et on comprend pourquoi, mais qui peuvent a priori rien y faire. Et ça prouve bien l'existence d'un véritable monde secret. Or, depuis des années, Richard dit que si on veut avoir une société qui soit saine, il nous faut passer ce cap, il nous faut reconnaître qu'il y a une différence énorme entre la vérité officielle et ce qui est la véritable vérité. Il nous faut cesser de nous mentir à nous-mêmes et pas dans le sens de refuser d'accepter la vérité. Non, il faut cesser que les gouvernements nous mentent, quoi. Et il faut aussi qu'on arrête de les autoriser à nous mentir. Pour qui se prennent-ils, quoi ? Les militaires et même les contracteurs privés, là. Pour qui se prennent-ils ? C'est la loi de la jungle, en fait. Ils ne sont pas plus humains que nous. Et à la limite, au niveau humanité, moi, je dirais qu'ils le sont même moins. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de bonnes raisons d'avoir des secrets, mais des secrets, et surtout des secrets sur des longues durées, ont une importance au niveau de grandes transformations. Il dit plutôt que ce genre de secret est une forme de cancer vis-à-vis du bien-être de notre société. Ça force les pouvoirs en place à continuer de mentir, encore et encore. Et ça finit par nous déstabiliser du point de vue qu'on finit par ne plus avoir confiance en nos propres jugements, en nos propres sens et observations quand on voit et qu'on apprend des choses. Au contraire, ça nous pousse à penser que l'établissement nous ment, triche, et donc on le pense à raison. Donc c'est vraiment pas sain pour une société, et il leur faut cesser de mentir. Les mensonges peuvent dominer une société pendant longtemps, mais un jour fini où ils sont exposés. Et ultimement, c'est toujours la vérité qui finit par gagner. Et c'est pas parce qu'on a accès à la vérité que ça va résoudre tous nos problèmes. Mais ne pas avoir accès à la vérité assure qu'on va jamais résoudre nos problèmes, puisqu'on n'aura pas accès aux informations dont on a besoin pour résoudre les dix problèmes. En cas qui sont en place, les problèmes, là, à cause justement de tous ces secrets, en général, des mensonges et de leur petit jeu de débiles. La situation dans laquelle on est n'est pas finie d'être tumultueuse, mais la postérité finira par en sortir meilleure, plus aisée, plus généralisée. Et donc, c'est vraiment une bonne chose que ces papiers soient sortis. Ils nous remercient d'avoir suivi.
Je vous remercie grandement d'avoir suivi non seulement ma traduction pénible et laborieuse, hein, franchement, d'un texte qui était un peu abscon aussi quand même. Bon, je me envoie une petite fleur en passant. C'était pas très trop aisé. Néanmoins, mais écoutez, je ne sais pas quoi dire en conclusion là tout de suite, puisque je l'ai découvert jusqu'au bout avec vous en direct et que on va laisser ça décanter un petit peu. Mais ça valait la peine. Donc, à très bientôt, je suppose, sur ce sujet-là ou un autre, on verra. Bon courage, salut.